Tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es Kandebochakabrakabaya. Est-ce que tu peux dire tu es? Oh, tu es Kandebochana. Oh, tu es. Dans cette saison, tu es. Oh oui, tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es quand débauché des babababababa, tu es. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, oh, tu es digne. Oh, tu es de recevoir la gloire. Mon roi, tu es digne. Mon maître, tu es. Dans cette saison où tu as dit à travers la bouche de ton serviteur, l'apôtre Ivan, c'est la saison des moissons abondantes. Et nous voyons déjà ce que tu accomplis dans nos vies. Nous avons commencé de percevoir cette moisson abondante. C'est toi qui fais, tu es en train de bâtir de vie. Tu es en train de transformer des vies. Tu es en train de nous propulser dans notre destinée. C'est pour cela, ce matin, nous venons à toi pour te dire que tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir notre célébration. Tu es digne de recevoir notre contemplation. Tu es digne de recevoir notre admiration. Reçois favorablement notre Dieu, notre roi, toi qui nous as fait passer une semaine merveilleuse, la semaine royale, la semaine du roi, où tu as libéré des paroles qui nous ont fait du bien, où tu as parlé à travers la bouche de tes serviteurs pour nous édifier, pour nous propulser dans notre destinée. Comment ne pas te bénir parce que tu as envoyé les dons parfaits, des dons parfaits. Tu as dit toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni variation, ni ombre de variation, ni changement et ni ombre de variation. Comment ne pas te bénir? Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as positionnés dans cette merveilleuse famille pour nous propulser dans notre destinée. Pour que dans cette saison, que nous puissions accomplir des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons divines, des délivrances. Tu veux le faire à travers mon frère, tu veux le faire à travers ma sœur. Comment ne pas te bénir? C'est pour cela que tu nous as donné les bergers selon ton cœur. Nous te bénissons, Père, nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ta présence, Esprit des dieux souverains, Esprit de vie, Esprit de feu. Merci de nous embraser aujourd'hui. Merci, merci. Je veux chanter. Je veux. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire je veux ton Seigneur? Oh oui, je veux chanter. Je veux chanter les louanges à notre Dieu. Je vais faire monter à toi un sacrifice d'agréable odeur. Parce que je veux vivre pour ton bon plaisir. Toute ma vie, je veux être attaché à toi. Accorde-moi la grâce d'être affectionné aux choses d'en haut. Parce que tu es l'essentiel de ma vie. Tu es l'essentiel. Tu es mon avantage. Je veux chanter. Toi qui m'as délivré des puissances de ténèbres, toi qui m'as sauvé de la fosse, tu m'as sorti de la fosse. Aujourd'hui, tu as donné un sens à ma vie. Tu as donné un sens à ma vie. Accorde-moi la grâce tous les jours de te bénir, de te rendre grâce, de t'élever en majesté. Parce que tu es merveilleux, notre Dieu, notre roi. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la paix. Tu nous donnes la joie, tu nous donnes la vie. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence. Tu as dit demeurer attaché au cep. Donnez-nous la grâce, accorde-nous la grâce de ne pas être éloigné de toi. Ton Seigneur.
ma vie va manifester ta gloire. Ma vie va, yeah, yeah, yeah. Manifester ta gloire, ma vie. Akabrakababaya de boche de baba. Oh, ma vie. Ma vie va manifester ta gloire. Est-ce que tu peux proclamer cela? Est-ce que tu peux déclarer que ta vie manifestera la gloire? Tu ne resteras pas ce niveau. Tu ne resteras pas ce niveau. Le Seigneur est en train de te propulser dans une autre dimension. Il te propulse dans cette saison afin que tu puisses accomplir les projets de paix et de malheur qu'il a préparé pour toi. Alors, je t'annonce une saison nouvelle, une saison des grâces abondantes. Saisis ces moments. Est-ce que tu peux dire nos vies vont manifester ta gloire? Oh, nos vies. C'est pour cela que tu es en train de bâtir des hommes et des femmes édifiés, des hommes et des femmes attachés, des hommes et des femmes qui s'affectionnent aux choses d'en haut. La priorité, c'est toi, ô Christ. C'est toi que nous désirons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Kadabra kabayan débauche. Élève la voix quand débauche. Kondebra kabayan débauche. Kenebauche de babababa. Et kandabrache. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Le Seigneur te rend inébranlable. En cette saison, il te rend inébranlable. Afin que l'ennemi ne puisse plus te retirer de la présence des dieux. C'est pour cela que nous allons dire, nous demeurons inébranlables. Nous demeurons inébranlables. Nous demeurons inébranlables. Dans cette saison, nous demeurons. Quels que soient les assauts de l'ennemi, nous demeurons. Quels que soient les coups bas, nous demeurons. Quelles que soient les tentatives de déstabilisation, nous restons attachés au cèpe. Nous sommes alors des serments qui produiront beaucoup de fruits. Parce que personne ne pourra nous retirer de la présence des dieux. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Parce que nous décidons de demeurer attachés au cèpe. Nous demeurons, oh, inébranlables. C'est toi qui nous perfectionne. C'est toi qui nous affermis. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous rend inébranlables. Un débauche, élève la voix. Dis-lui, je demeure inébranlable. Personne ne pourra me retirer de ta présence. Élève la voix, qu'un débauche. Est-ce que tu peux lever la voix? Dis-lui que tu demeures inébranlable. Oh, tu demeures inébranlable. Oh, nous demeurons. Élève la voix, dis-lui, nous demeurons. Ils ont dit, ils vont rester à ce niveau. Ils ont dit, nous avons établi un plafond de verre afin qu'ils ne puissent pas avancer, afin qu'il y ait toujours des limitations. Oh, quand des brochards, les limitations sont tombées dans les noms de Jésus dans ta vie. Akabrakabaya des brochards, ils ne pourront pas former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Parce que ton Dieu te rend inébranlable. Ah, nous demeurons. Ils ont dit, ils n'auront pas une nouvelle salle. Ils ont dit, ils vont rester dans cette salle petite. Kondebrochaya, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Kobrakabayandebrochaya, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Parce que le Seigneur va faire de merveilles. Il fera de merveilles dans la vie de mon frère. Il fera de merveilles dans ta vie. Il est en train de te propulser. Reste attaché à lui. Reste, demeure dans sa présence. Demeure. Ne te dévie pas. Ne change pas de route. Ne change pas d'itinéraire. Parce que le Seigneur est en train de bâtir ta vie.
Tu es comme dans un chantier. Et dans un chantier, on ne voit pas. Parfois, il n'y a que la chire-tête qui connaît. Qui connaît comment la maison sera. Comment le bâtiment sera. Toi, tu n'es pas l'architecte. L'architecte de ta vie, il s'appelle Jésus le Christ. Il s'appelle Jésus le Christ. C'est lui qui connaît ta vie. C'est lui qui connaît. Il connaît ta vie. Ne te fie pas à ce que tu vois aujourd'hui. Ne te fie pas à ce que tu vois aujourd'hui. Parce qu'il y a des grâces excellentes qui arrivent dans ta vie. Le Seigneur est en train de te propulser. Oh, inébranlable. Oh, nous demeurons. Dans cette saison, nous demeurons. Quelles que soient les oppositions, nous demeurons. Quelles que soient les animosités, nous demeurons. Quelles que soient les coups durs, nous demeurons. Parce que notre Seigneur a déjà parlé. Il a dit, c'est la saison de la moisson abondante. Nous attendons les moissons abondantes. Nous attendons une vie meilleure, une vie excellente. Nous attendons parce que tu as dit, le jour s'est levé. Le jour s'est levé dans ta vie. Tu es dans une saison de jour, bien-aimé. Ah, quand des beaux chats. La particularité du séjour, de la saison du jour, c'est le Saint-Esprit travaille avec toi. Et quand il travaille avec toi, il s'appelle l'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. Et l'Esprit de grâce ne choue pas. Il n'échoue pas. Il ne peut pas échouer, l'Esprit de grâce. Tout ce que tu dois faire demeure dans l'obéissance. Demeure dans sa présence. Parce que le Seigneur est en train de t'amener. Il t'amène de gloire en gloire. Il t'amène de gloire en gloire. Oh, il t'amène de gloire en gloire. Il t'amène de gloire en gloire. Dis, il m'amène. Il m'amène de gloire en gloire. Est-ce que tu peux acclamer? Il m'amène. Dans cette saison, il m'amène. Il m'amène, il m'amène de gloire en gloire. Il m'amène dans cette saison. Il me fait prendre mon envol comme un aigle. Ah, quand débauché, débauché. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci Seigneur. Élevez la voix, rends grâce. Dis-lui merci. Merci pour ce temps privilégié. Merci pour les grâces excellentes que tu déverses dans cette famille spirituelle. Merci pour ce moment que nous passons dans ta présence. Accorde-nous la grâce de demeurer attaché au cep. Accorde-nous la grâce de rester sur la trajectoire que tu as fixée. Donnez-nous à ne pas dévier, à ne pas faire de sortie des pistes, à rester sur le chemin, la vérité et la vie. Sur toi, ô Christ, parce que c'est toi qui nous emmène de gloire en gloire. C'est toi qui nous propulse dans notre destinée. Ah, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette certitude. Parce que nous sommes absolument certains que tu ne choues pas. Parce que tu es l'Esprit de grâce et tu fais toutes choses à merveille. Comment ne pas te dire merci? Est-ce que tu peux dire amen? Amen à cette parole. Amen, amen. Parce que c'est lui qui nous amène gloire en gloire. C'est lui qui nous propulse dans notre destinée. C'est lui qui nous fait prendre notre envol comme des aigles. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci Seigneur.